La collaboration entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire se renforce sur plusieurs tableaux, notamment au niveau de l'administration douanière. Régulièrement confrontés aux problèmes de fraude, les services de douane ont pu bénéficier d'un renforcement de capacité. Un atelier de restitution a eu lieu le jeudi dernier à Cocody, après une étude menée sur ce sujet. Il a permis de passer en revue les instruments de lutte contre la fraude en Côte d'Ivoire et de ressortir les forces et faiblesses de cette coopération. La mise en œuvre de l'accord de partenariat économique va entraîner un démantèlement tarifaire, donc un non-paiement des droits de douane sur les produits éligibles. Et voyez-vous que là où il y a opportunité, ça accroît aussi le risque de fraude. Donc il est important que nous révisitons notre dispositif de lutte contre la fraude et voir quels sont les aménagements à apporter justement afin de répondre efficacement aux défis de la mise en œuvre des APE. Ce projet permet de renforcer les capacités des services de douane et d'améliorer les performances de l'administration. Et quand on parle de zone de libre-échange, ça veut dire qu'il y a un renoncement au niveau des droits de douane, des deux sens. Et quand on sait l'importance que les recettes douanières ont pour nos recettes budgétaires, et il faut prendre en main cette question. La zone européenne s'engage à accompagner la mise en œuvre effective de l'accord au profit de la Côte d'Ivoire. Le projet concerne aussi la Direction générale des impôts et les ministères et structures impliqués dans le cadre de ce programme financé à hauteur de 5 millions d'euros. C'est fait, la Fondation internationale pour la promotion de la biodiversité, de l'économie circulaire et du développement durable a lancé ses activités le jeudi 11 avril dernier. Elle compte accompagner l'État de Côte d'Ivoire, le secteur privé, les acteurs sociaux et les populations dans la mise en œuvre et le suivi de l'initiative d'Abidjan. Elle compte aussi apporter des solutions aux urgences climatiques et à la promotion de la biodiversité et de l'économie circulaire. Au niveau du couvert forestier ivoirien, on a vraiment peut-être 80% de notre couvert forestier qui est en péril. Donc, c'est une urgence climatique que nous devons prendre au sérieux et commencer à faire le nécessaire pour pouvoir recouvrir le couvert forestier ivoirien. Représentant le ministre des Eaux et Forêts, le colonel Salimata Koné a affirmé l'engagement du ministère à soutenir et encourager les efforts de toutes les organisations qui contribuent à la préservation de la biodiversité. Donc notre message, c'est d'encourager la FIPBEC à redoubler d'efforts, à collecter, à mobiliser suffisamment de moyens, suffisamment de ressources, parce que le travail que nous faisons nécessite beaucoup de ressources, beaucoup d'engagement, et nous encourageons donc cette structure, cette fondation à œuvrer pour pouvoir nous aider à atteindre nos objectifs. Les objectifs de la FIPBEC sont entre autres l'éducation et les formations à l'économie circulaire, l'accès à l'eau potable et la promotion de la consommation responsable, l'amélioration du cadre de vie des populations et la lutte contre les déchets plastiques. Ces missions vont s'articuler autour des points tels que la restauration et la valorisation des cours d'eau, la promotion de l'éco-citoyenneté et le renforcement de la chaîne de valeur agricole dans les pays du Sud. Qui, pour mettre fin à la crise qui secoue la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Depuis plusieurs années, les choses ne se passent pas bien entre le collectif statutaire de l'Assemblée générale de 2019 des mutualistes et le président du conseil d'administration de la MUPEMENET-CI. Sollicité plusieurs fois selon eux, ce collectif dénonce le mutisme du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Aujourd'hui, la mutuelle est à la croisée des chemins. Et ceux qui sont encore à la manette s'organisent pour aller faire encore une assemblée générale illégale contre Vanzemarie. À travers cette motion, monsieur Leves, nous venons vous rappeler également que nous protestons contre le changement des délégués en violation de l'article 37 de nos statuts et règlements intérieurs. Nous protestons également contre votre mutisme, alors que vous avez été saisi par plusieurs courriers d'information par les collectifs des délégués et des mutualistes. Un audit diligenté par l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité avait abouti à des malversations financières au sein du conseil d'administration de la MUPEMENET-CI. Le plan de redressement demandé par l'AIRMS n'a jamais été mis en œuvre, dénonce le collectif statutaire. Nous protestons également contre la caporalisation de la MUPEMENET par un groupuscule de personnes, notamment le PCA, qui semble être au-dessus de la loi dans notre pays. Nous soutenons les décisions de l'AIRMS en ce qui concerne les plaintes contre le conseil d'administration à la police économique. Par la voix de son chef de service de communication, le PCA de la MUPEMENET-CI s'est défendu. Je dois noter, et sans commenter une décision de justice, je dois noter que cette décision de l'AIRMS a fait l'objet de débats au sein des juridictions compétentes, et la MPNSI en est sortie vainqueur. Parce que accuser et prouver, c'est deux champs d'action différents. Il est plus facile, très facile d'accuser, mais il est bien souvent difficile de prouver ce dont on accuse une entité. Créée en 2014, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique compte à ce jour plus de 90 000 membres. L'édition de Dalloz a été marquée par la remise des prix aux meilleurs services qui se sont distingués dans la mise en œuvre des bonnes pratiques médicales. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.